Salut tout le monde, je vous présente Pilou. Là on va partir dans une île, nouvelle aventure. Donc là on est dans le bateau, arrivé. Coucou, Miss Japan, Taïwan. Désolée, sorry. Comme tout le monde se pose la question, pourquoi les Chinois et tout ils mangent les chiens, les chats? Et du coup en fait j'ai demandé à la chinoise et taïwanaise et tout, ils m'ont dit que non, ils mangeaient plus. Et la raison pour laquelle avant ils mangeaient, c'était parce qu'il n'y avait pas de poulet, il n'y avait pas de vache, il n'y avait pas tout ça. En gros, ils se nourrissaient de la viande qu'ils trouvaient et à part les chiens et les chats, ils n'avaient pas d'autre choix. Mais maintenant, puisqu'ils ont le choix et tout, ils ont arrêté. Par exemple, dans les restaurants, ils ne servaient pas ça. Les gens qui étaient coincés encore ou ceux qui sont dans leur tradition, j'espère avoir mis au courant quelques personnes. Merci, c'était la minute, dragondelavie.fr. Donc 11e, 12e ou je sais plus combien de jours il reste. Introduction. Arriver à l'île, il n'y a pas plus frustrant que d'être dans une île et de ne pas pouvoir nager. Un truc de fou vient de se passer. Japan, your bag is closed, finally. Yes, explain finally. To us why. Why? Because Korea closed it. Oh. And why she closed it? I don't know. Hola, hola, soy Venezuela. Thank you. Elle me regardait comme si j'étais une grosse folle. En fait, ici, leur toilette, c'est ça. Genre nos toilettes. À nous, genre normal, c'est pour les handicapés. En gros, quand ils viennent en France, en Europe et tout, ils nous prennent pour des handicapés. Je me rends compte que c'est une grosse insulte. Aujourd'hui, on est dans une association de personnes âgées, on joue avec elles. Regardez ma robe. Ah, comment est-ce que t'as? Tous tes vidéos.
En attendant mon frappuccino, I'm waiting for my frappuccino. Oh my god, it looks so delicious. Oh, oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh là là. Hello Jada. Hello. Why in Australia you eat kangaroos? It's a crime. It's It is not a crime to eat kangaroos. It is no crime to eat kangaroos. We are overpopulated with our kangaroos, and kangaroo meat is, there's no fat on it whatsoever. Yeah, it's yeah, the healthiest meat you can eat. Yeah, okay. It's healthy, but okay, it's a crime. Okay, it's still all right, a crime. Is that all right? It's still a crime, okay? Okay. And you, what do you eat in your country? Different. You are not a criminal, that's right, that's no, good. No. Not like this girl, she's a big criminal. Oh my gosh, I'll send you some kangaroo. Oh fuck. No, okay. My light, beautiful sea, I chose to be happy. Salut les gens, donc là aujourd'hui c'est la grande final. Donc là je suis en train de me faire les cheveux. Pipipit. Je suis trop pressée, genre mais pas de gagner ou machin. Non, je suis pressée de finir pour rentrer. Parce que franchement ça m'a trop fatiguée. Et j'avais oublié à quel point les concours de Miss ça fatigue. Et là c'est la dernière fois que j'accepte un concours genre qui est en mode 20 jours ou quelque chose comme ça. Genre maximum 10 jours. Franchement 10 jours ça sera le maximum. Et même 10 jours c'est beaucoup tu vois. Donc voilà, là je vais finir mes cheveux bitches et on se revoit après. Je vous montrerai le résultat. Salut! Voici le résultat de mes cheveux et de mon make-up. Donc voilà. Donc là c'est bon, la finale est finie. Voilà, on va manger. Bon. Donc voilà, la finale est finie. Miss Roumanie a gagné. Je vais vous mettre sa photo juste ici. Vous me dites si elle mérite ou pas. Du coup, j'ai hâte de rentrer en France. Ça fait 20 jours que je suis ici. C'est vraiment chiant. C'est le cas de le dire. J'en ai marre de faire des concours vraiment de beauté. Peu que je parte en Inde. On m'a proposé l'Inde en décembre. Et puisque j'ai toujours rêvé d'aller en Inde, bah, je me dis c'est une opportunité. Mais j'ai pas envie d'y aller pour les concours. Mais quand je vois le prix du billet d'avion, et je suis là en mode... Ok, je pense que je vais aller au concours. Donc je sais pas trop, dites moi si vous kiffez ce genre de vidéo. Dites moi si vous voulez que j'aille au concours en Inde du 16 au 24 décembre. Moi perso je kiffe l'Inde, j'ai toujours rêvé de faire ce pays. Mais ce qui me fait peur en fait c'est d'y aller et de me retrouver encore comme là, genre à faire que des répètes, de pas sortir, pas aller visiter ce que je veux. Parce que moi perso ce qui m'intéresse le plus c'est les voyages et découvrir les personnes. Everything that I've learned, see to
installé tout le moment, du coup, avant dernier jour, enfin. Donc là, il fait super chaud, il fait 36 degrés. J'ai jamais vu une chaleur pareille. Bon, je pense que je vais m'acheter un truc. Là, j'ai acheté un smoothie lemon. Vraiment, c'est les meilleurs. Ils sont trop trop bons. En plus, ils sont sans sucre. Genre moi, je mange pas de sucre. Et c'est ça qui est bien. Direction Taïwan. Là, on était à Bangkok. J'en avais marre de rester à l'intérieur. J'ai acheté ça à même pas 2 euros. Je voulais vous dire un truc. Donc, je voulais dire un truc. Vraiment, j'aurais jamais cru de ma vie me retrouver dans un bateau en plein de shit-talk, hein. Et là, toute seule, en train de voir ça. C'est juste magnifique, vraiment. J'aurais jamais déjà cru faire l'Asie de ma vie, parce qu'avec mon passeport algérien et les visas qui ne sont jamais ordonnés en Algérie, c'est une cata. Vraiment, c'est un truc de fou. Je voulais vous dire de toujours croire en vos rêves, toujours croire en ce que vous voulez faire et en vos objectifs, parce que si on est déterminé et si on fait tout pour que ça arrive, bah, ça arrivera. Voilà, c'était tout. At midnight.